Yeah. Vous voulez que je vous sois le japap de qui? Vous voulez que vous soyez le japap de qui? De Angela. Dites-moi, hein, dès que vous me dites seulement que le dossier de tel, je sors le japap. Si vous me dites que la star sort nous le japap de tel, je sors ça tout de suite. Vous voulez le japap de qui, non, mes amours? Angelina. Ah, ma femme a kiff. D'accord, Jules Tchadé. Vous voulez le japap de Angelina? Tout ce que tu connais, Linda Véronique, parle de notre sœur Angelina Longchamp. Tout, c'est ce qui ça encore. Tout ce que tu connais, même sur moi-même. Ah, moi, je connais rien sur toi, Jules Tchadé. Donc, dis-moi un peu. Dites-moi, vous voulez que je sors le japap de qui? Coucou la belle Renée. Hein? Vous voulez le japap de Angelina? Ouais. Bon. Le japap de maintenant là, de Angelina, c'est que dans la semaine, Angelina Longchamp, alias Papi Longchamp et moi, on doit se rendre à Paris. On a un dur rendez-vous de Mbinda à Paris avec un dur Watt à l'hôtel Mercure à Paris. Donc j'ai déjà pris rendez-vous avec le Watt. Donc j'ai appelé, le Watt m'a appelé parce que notre annonce est dans le site que le site qui est sur sa fiche là que j'avais sorti là. Notre annonce est là. Donc j'ai appelé, le Watt m'a appelé. Il m'a dit bonjour Olivia. Est-ce qu'il est possible que je vous invite Angela parce que les clients ne savent pas qu'il s'appelle Angela Papi Longchamp. Hein. Ils savent seulement que c'est Angela. Donc c'est moi celle qui sait que il s'appelle Angela Papi Longchamp, les 14. Donc le Watt quand il m'a appelé, il me dit bonjour Olivia. Je dis bonjour parce que mon petit nom de allô c'est Olivia non. Donc je lui dis bonjour. Il me dit est-ce qu'il est possible de prendre un rendez-vous avec Angela, et toi. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Je lui ai demandé que vous voulez le rendez-vous pour quand. Il me dit a priori il est venu en mission à Paris pour une semaine et il voudrait bien s'amuser. Il m'a donc dit est-ce qu'il est possible qu'on se voit en fin de semaine, donc on peut dire plus tard vendredi, mec, entre jeudi, vendredi ou samedi. Je lui ai dit il n'y a pas de problème et il me dit il faut automatiquement que Angela soit là. J'ai dit il n'y a pas de problème, je vais arranger ça avec elle parce que nous quand Angela c'est un Angela comme vous le voyez homme là dans notre jargon des Waka et tout, il est une femme. Oui, donc je vous le dis déjà précisément que Angela, vous le voyez sur les directs avec vous, homme. Mais dans notre jargon des Waka, des escort girls, là, Angela est une femme. Donc les mecs savent que Angela, c'est une femmelette. Donc nous, quand le client appelle, il dit qu'il veut le rendez-vous avec Angela et Olivia. Ça veut dire qu'il veut deux, un homme et une femme. C'est-à-dire Angela qui est femme-homme. Et la femme et moi qui suis femme. Donc, j'ai donc dit, ok, je viendrai avec elle et on va donc faire notre petit truc. Je lui ai demandé que, vous allez payer combien pour Angela Longchamp et, parce que en ce temps-là, quand je parle avec lui, je ne dis pas Angela Longchamp, je dis Angela. Vous allez payer combien pour Angela? Il me dit, écoute, comme ce sera juste pour faire une heure et je payerai 3000 euros, je lui ai dit, c'est bien payé, il n'y a pas de souci. 3000 euros pour une heure, c'est bon. Ça veut dire que sur 3000 euros, Angela Longchamp, les 14, Papi Longchamp a 1500, moi j'ai 1500. Donc c'est bon. Donc j'ai accepté le contrat. Donc comme vous êtes là, mes amours, moi je pars d'ici de Strasbourg jeudi ou vendredi. Et Angela, Papi alias Longchamp me retrouve à Paris vendredi soir parce que le rendez-vous est à 20h, 21h. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc c'est le japap là que je voulais vous dire. Donc Angela, les 14 Papi Longchamp. Sache qu'on a rendez-vous à Paris, à l'hôtel Mercure, avec un nouveau client. Il va nous payer 3000 euros. Je le dis déjà devant tes internautes, parce que comme tu dis que tu ne connais pas les choses là, tu connais bien et tu sais que tu travailles avec moi, tu travailles pour moi. Je suis ton employeur, tu es mon employé. On travaille, on a la société de Waka ensemble, toi et moi. Et c'est toi qui donne, c'est-à-dire que c'est toi qui donne, parce que c'est toi qu'on paye bien.
Moi, je suis qu'une femme. Moi, les femmes, on ne paye. Quand une femme avait un homme, on ne paye pas beaucoup la femme. C'est l'homme qu'on paye beaucoup parce que lui, il donne le tomatouma et lui, tomatouma aussi les autres hommes. Donc, voilà le, voilà le japap. Donc, pour vous dire que samedi, Angela Papi Longchamp, les 14 internationales publiques et moi, on sera à Paris pour. C'est pas samedi, c'est vendredi. Pour vous dire que vendredi, Angela Papi Longchamp, les 14 publiques internationales, on sera à Paris. Vendredi. Pour une. Une soirée de Allo Allo à l'hôtel Mercure. Donc voilà, vous êtes au courant, sachez que voilà notre, je vous donne déjà notre CV de ce jour-là. Donc voilà, je ne vais pas rester longtemps parce qu'il fait très chaud ici à Strasbourg, il y a du soleil et je commence déjà à noircir là. Le soleil commence à me noircir encore plus, donc je voulais juste vous faire écouter mon nouveau son 2022 de Angela Papi Longchamp, les 14 internationales des Waka. Et vous passez le bonjour, vous dites que Angela Papi Longchamp, les 14 internationales et moi, on a rendez-vous ce vendredi à Paris à 20h avec un dur client qui va nous payer 3000 euros. Je vous avais promis que chaque fois que Angela Papi Longchamp, les 14 internationales et moi, on va se déplacer, je vous mettrai au courant. Donc, vous êtes déjà au courant de tout ce qui va se passer. Kibé Dilou, envoie-moi ton numéro, s'il te plaît, René, ce chien a mon argent. Il n'y a pas de souci, je vais te faire... envoie-moi ton numéro, je te l'écris là tout de suite. Regarde, je t'écris ça là, tu notes, d'accord? Alors, mon numéro, c'est le 07 55 45... 07 55 45 95 70. Voilà mon numéro. Kébé Dilou, voilà mon numéro. Tu l'as. Donc, je vais l'épingler. Je l'épingle, épingle le numéro. Donc, le numéro est épinglé. Donc, tu l'as là. Donc, si tu veux m'appeler, tu m'appelles. Et on va en discuter de l'argent qu'il te doit. Et je te dirai comment tu vas faire pour pouvoir récupérer ton argent. T'inquiète pas, il va te rembourser ton argent. Il a l'argent. Il fait le waka. Il vend son derrière là, c'est moi qui l'amène vendre, donc il va rembourser ça. Il doit déjà à une fille 5000 euros du côté de la Suisse là-bas. Mais là-bas, on est en train de gérer le problème. Il est en train de rembourser l'argent là, donc ne t'inquiète pas, pour toi aussi, il va rembourser. Donc voilà. Tu as vu le numéro, Dilou? KBB Dilou, tu as vu le numéro? Ah d'accord, ok, tu as vu le numéro, c'est bon. Donc n'hésite pas à m'appeler, d'accord? On va gérer le problème là. Et comment? Toi aussi, Angela Papi Longchamp, les 14 internationales, comment tu peux aller prendre l'argent aux gens? Tu ne rembourses pas. Avec tout l'argent que je t'amène travailler là, comment tu peux faire que tu peux prendre l'argent à une femme ou à un gars? Tu ne rembourses pas. Il faut rembourser les argent des gens. Quand tu peux bosser avec moi quelque part et qu'on te paye, il faut payer tes dettes. Il faut que tu apprennes à payer tes dettes. La fille de Suisse dit que tu lui dois 5000 euros, gars. Hein? C'est comment, non, ma copine? Ma copine, la fille de Suisse, dit que tu lui dois 5000 euros. Il faut que tu lui rembourses son argent. L'autre jour, on est parti faire un client de 2000 euros. Comment tu n'as pas pu donner même une petite partie de l'argent de la fille? Même une petite partie de l'argent de la fille, fallait donner. Oh, franchement, c'est pas bien. Hein? Quand tu travailles de l'argent, l'argent que tu travailles avec moi, hein? Ce soir, je t'appelle, d'accord, Dilou? D'accord, il n'y a pas de souci. L'argent que tu travailles avec moi, Angela Papi Longchamp, les 14 internationales, tu travailles beaucoup d'argent avec moi. Parce que je te donne beaucoup de clients. Donc l'argent que tu travailles avec moi là, cet argent là, ça peut t'aider à... Tu gères ta famille à Lyon, tu peux aussi gérer tes dettes. Arrête d'être comme ça. Je t'ai déjà dit qu'une salope ne se comporte pas comme ça. Une salope, quand elle a l'argent, elle paye ses dettes et elle gère sa famille. Arrête. Tu es en train de nous me salir partout. Tu arrives ici, tu me salis. Tu arrives là-bas, tu me salis. C'est comment? Oh, vraiment, il y a parfois, tu m'énerves. Tu ne peux pas faire que une grande salope comme toi. On part quelque part, le roi te paye l'argent. Il me paye. Et par derrière, tu pars expliquer les gens, les argent. Et on m'appelle pour venir me dire ça. C'est quand même honteux. Arrête.
avec tout l'argent que tu travailles dans le Waka. Je ne comprends pas comment tu continues à escroquer les pauvres filles d'autrui. Alors que tu dois pas faire ça. Une grande Waka ne doit pas faire ça. Arrête ça. Arrête ça, ma copine. Arrête. Arrête ça, ma copine. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. On n'escroque pas l'argent des pauvres filles comme ça. Surtout une grande Waka comme toi. Tu vas faire que notre commerce ne donne plus parce que tu prends les argent des pauvres filles d'autrui. Non, quand même. Ton derrière là, ça travaille l'argent. Tu vas pas me dire que tu n'as pas l'argent. Tous les semaines, tous les jours, au moins 2-3 fois par semaine, je t'amène travailler les dos et tu as le bon argent. Et tu me déçois chaque fois. On m'appelle par-ci, par-là. Oh, oh, Angela Papi Longchamp m'a pris l'argent. Oh, Angela Papi Longchamp m'a pris l'argent. Oh. Mais attends un peu. Mako, tu exagères. Non, il faut changer. Tu exagères. Je te dis ça devant les gens que tu exagères. Change. Arrête de voler l'argent des gars. Arrête, franchement. Tu exagères. Avec tout l'argent que toi et moi on travaille dehors là, tu continues toi, à voler l'argent des pauvres filles. Il faut arrêter ça, dis donc. Tu exagères. Marie-Flon, Jonan, bonjour. Bonjour ma puce. Tu exagères, franchement. C'est décevant. Hein? Nous, dans notre jargon des Waka, on ne fait pas ces choses-là. Je t'ai déjà donné les conseils fatigués qu'une grande bordelle, une grande salope comme toi devrait être posée et hautain. Tu ne dois pas te retrouver dans les positions sales. Franchement, tu comprends un peu, mais attends, tu es en train de nous salir notre entreprise. Hein? L'entreprise marche bien. Quand les clients qui appellent, ils t'appellent, ils te veulent, je t'amène, ils te payent bien. Et jusque-là, tu continues à escroquer les pauvres filles de tout. Il faut arrêter. Donc, ma chérie, appelle-moi le soir. Tu m'expliques le problème. Je vais lui dire, va te rembourser ton argent. Elle va te rembourser ton argent parce que c'est une salope. Moi, je parle même toujours de... C'est une salope, c'est elle. Elle va te rembourser ton argent. Ne t'inquiète même pas, c'est un petit problème. Ou même si elle ne te rembourse pas ton argent, moi-même, quand on va aller faire le client de samedi, de vendredi, là, dès que le client paye, là, je prends la hora. Et je lui dis ça, que l'argent de la fille de Tui, il faut que tu rembourses ça. Ok? D'accord, ok, ça marche. T'as compris, non, ma puce? Voilà. Qui d'autre encore? Qui d'autre, Angela Papi Longchamp, les 14, doit l'argent? Venez ici me dire. Si Angela Papi Longchamp, les 14, doit l'argent à quelqu'un, venez ici. Maintenant, c'est comme ça qu'on va rembourser ces dettes-là. C'est là où il escroque partout. Dès qu'on part bosser quelque part, je récupère, on vous rembourse. Vous comprenez, non? Il a l'argent. Il doit vous rembourser. Donc, on est bien d'accord, non? Donc, voilà. Mais Loulou, je ne vais pas rester trop longtemps. Il y a trop de soleil là. Il fait chaud et tout. Donc, j'ai profité un peu pour sortir manger au McDo là. Parce que l'appartement là-bas, c'est un peu... Bon, c'est vrai qu'il y a la clim, mais il fallait que je sorte un peu. Donc, mes coucou, disons qu'on se donne, c'est pour la prochaine, hein. Donc, le son va continuer, je suis en train de travailler le son de Angela Papi Longchamp, les 14. Donc, le son, je suis en train de l'arranger et je vous dirai quoi. Et n'oubliez pas, toutes les gars qui ont les problèmes d'argent avec Angela Papi Longchamp, les 14, contactez-moi inbox. Il va vous rembourser votre argent parce que ce gars a une entreprise de Waka avec moi. On travaille l'argent et il a beaucoup d'argent. Il doit vous rembourser ça. Il exagère. Hmm? Une salope comme ça, elle exagère, dis donc. Comment une grande salope bordel peut prendre l'argent des pauvres filles pour escroquer ça? Hein? Avec tout l'argent qui travaille dans le Waka avec moi là, ça ne lui suffit pas. Hey, Angela, toi aussi arrête ça, dis donc. Tu exagères, tu me déçois souvent. Hmm? Très joli ce matin. Merci Viviane Beau. Merci ma chérie. Léopold Célestin Ganso, bonjour. Prends les cœurs, chérie. Merci Patricia Barberi. Merci. Donc voilà, les amis, on se dit à bientôt pour un prochain direct. Vous savez que moi, j'aime pas trop les directs. Donc, je fais les directs par occasion. Et donc, on se dit à la prochaine, au prochain dossier. Surtout, n'oubliez pas, Angela Papi Longchamp, les 14,
C'est une escorte VIP internationale qui travaille sous ma responsabilité. Donc, ça veut dire que si Angela Papy-Longchamp, les 14 internationales, vient escroquer votre argent, femme comme homme, contactez-moi une bourse, on va vous rembourser ça. On va vous rembourser cet argent, d'accord? Je vous dis ciao et à bientôt. Bisous à vous, je vous aime mes amours. Et bisous, bisous. Et Mako, Angela Papy-Longchamp, les 14, on se dit... On se dit à vendredi alors, d'accord? N'oublie pas, hein? Prévois les accessoires. Tu sais que le Joe là, il aime les jolis accessoires. Donc, tu vas porter, tu connais le string. Il y a un string là que tu portes souvent. Pas celui-là, il faut changer. Maintenant, il porte un string rouge. Donc, il y a le string rouge qui fait un peu, qui dessine bien le zizi ici devant. Ça dit, tu connais le string rouge qu'on avait acheté à Adam et Ève là. Ça dit, quand tu portes le string là, ça sort le zizi comme ça là. Donc, porte le string là vendredi. Et n'oublie pas, parce que moi je viendrai avec le gold et tout le reste. Mais pour ta tenue, porte ce string et porte aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Le filet, le petit haut en filet là. Le petit haut en filet des membres là. N'oublie pas de le mettre. Et tu mets aussi un pantalon slim, d'accord? Je pense que c'est ce qu'il m'a dit. Hein. Il m'a dit de te dire comment tu vas t'habiller. Donc voilà. Et on se dit à vendredi, non, Makota. Angela Papy alias Longchamp, des 14 internationales. On se dit à vendredi. Et n'oublie pas, hein, il y aura du bon argent et on va bien bosser. Mais s'il te plaît, pardon ma copine. Il faut que tu rembourses l'argent des filles. Et ce n'est pas bien. Je t'ai déjà dit ça, Fatigue. Tu ne comprends pas. Il faut rembourser l'argent des pauvres filles d'autrui. D'accord? Et arrête d'escroquer les filles d'autrui, s'il te plaît. Ce n'est pas bon. Donc, ma copine, Angela Papy Longchamp. Ne t'inquiète pas, le son va bientôt sortir. Je suis en train de travailler le son. C'est un bon son, ça va nous donner aussi l'argent. Tu sais que nous, on a créé notre entreprise pour avoir de l'argent, non, ma copine. Ma copine Angela Papy-Longchamp, le son sera mortel. Tu as d'abord vu l'extrait de ça, non? J'ai essayé d'appeler le gars là l'autre jour. Dans le studio, on a essayé d'arranger, mais on va encore arranger plus. Ok, bon, mes amours, bisous à vous et Angela Papy-Longchamp, les 14 internationales publiques. Pourquoi vous... vous êtes modéré. Vous êtes modéré. Ouais, mais c'est ma personne. Et qui est? Vous croyez que nous, on est là... Ça, c'est le vide. Je dis que dans la vie privée, c'est ma personne. Je dis qu'on travaille ensemble. Ouais. Oh. On travaille ensemble. On a l'entreprise. Donc, je suis en train de lui dire, il sait, il est là dans le direct. Il a compris de quoi il veut parler. Donc, Angela Papy-Longchamp, les 14. S'il te plaît, ne prends plus l'argent des filles de Cluis. Pardon. On a déjà l'argent qu'on travaille tout le temps avec les watts là. C'est déjà suffisant. Ça peut te faire, ça te fait plein de trucs. Arrête de prendre l'argent d'un gars. Hein? Tu es une salope, tu n'es pas un voleur. Avant tu étais voleur, mais maintenant tu n'es plus voleur. Tu es devenu escort boys international, la salope internationale des blancs. Pas les noirs, je parle des blancs. Sous ma responsabilité, d'accord? Donc arrête les petites conneries là, ça te rapporte rien. Ok? Ok ma copine, on a bien compris non? Voilà. Jacqueline Guinibete, bonjour. Bonjour ma mère, ça va? Tu as écouté le son? Est-ce que tu as écouté le son de Angela Papy-Longchamp, les 14 internationales? Hein ma mère, si tu as écouté le son, dis oui. Ouais. Hey, ma mère. Ma mère Jacqueline Guinibete, je pense que Angela Papy-Longchamp, les 14 internationales publiques et moi, on viendra là-bas à Avignon, hein. On viendra là-bas à Avignon. On va venir faire un tour là-bas à Avignon. T'inquiète pas, je t'appellerai pour te dire. Et j'aimerais que tu vois un peu les appartements de la dernière fois qu'on avait pris vers le quartier touristique là-bas, non, ma mère. Voilà. Tu vas essayer de revoir là-bas la dame là. Tu vas essayer d'aller revoir la dame là, si elle peut nous elle peut nous relouer l'appartement là. Tu te rappelles non que j'étais venue là-bas avec Angela Papy-Longchamp, alias les 14, non ma mère. Voilà. Donc tu vas aller revoir la dame là, tu vas nous réserver ça. Mais pas maintenant parce que la semaine prochaine, cette semaine-ci on est à Paris. J'essaie de voir, peut-être ce sera la semaine prochaine qu'on viendra, le week-end prochain qu'on viendra à Avignon. Donc, je te dirais quoi? Il faut d'abord que je vois ça. Je vois ça avec Angela Papy-Longchamp, les 14 internationales publiques. D'accord, ma mère?
Hein, ma mère Jacqueline Guigny, si tu m'entends, dis oui. Ok? S'il te plaît, n'oublie pas, hein, ma mère. Je vais l'appeler là tout à l'heure. Après toi, là, je vais appeler Angela Papy-Longchamp, les 14 internationales publiques, que je t'ai eu sur le direct. Et tu es d'accord pour aller voir la dame pour l'appartement d'Avignon là, le week-end prochain. Ok, ma mère. Ma mère d'Avignon, Jacqueline Guinibété. Angela Papy-Longchamp, les 14 internationales. Ma mère Jacqueline nous attend à Avignon. Tu connais, non, l'appartement qu'elle nous avait pris la dernière fois. Un très bel appartement avec piscine. Donc, je pense qu'elle va reprendre l'appartement là pour le week-end prochain. Ouais, bon. Je ne sais même plus quoi parler. Mais là, je pense qu'on a tout dit. Tout est bon, non, mais coucou. Vous êtes au courant de mes faits et gestes, des faits et gestes d'Angela Papy-Longchamp, les 14. Ma mère, tu ris. Moi, elle n'aime pas quand tu ris, ma mère. Comment? Et t'avais dit que quand, ouais, tu connais comment ça se passe, toi aussi. Pourquoi tu ris? Ah. Toi aussi. Ah. Et t'as dit que laisse-moi faire. Je vais aller arranger avec lui. C'est ma personne. Oh, tu connais comment, d'abord même, est-ce que tu n'ignores rien, tu connais comment ma copine salope et moi, on fonctionne. Tu n'ignores pas, c'est pas la première fois qu'on vient là-bas à Avignon. Tu connais, hein, ma mère Jacqueline. Tu connais que Angeline, là, les 14 internationales publiques, Papy-Longchamp et moi, on vient souvent là-bas à Avignon. Et tu connais là où tu nous prends souvent l'appartement. Tu connais là où tu nous prends souvent l'appartement. Et tu vas aller reprendre le même appartement parce qu'il est beau avec la piscine. Hein, d'accord, ma mère. Hein? Ma mère, c'est... Chamba, bonjour. Ma mère, c'est morte de rire. Elle, c'est pas morte de rire. Elle va le dire. Ouais, que... Chamba, bonjour. Orphelie Bayo, bonjour. Vraiment, René, je ne savais pas que tu pouvais encore écarter avec papy. Orphelie Bayo, on t'a dit que j'écarte encore avec papy. Mais... Écoutez, Orphelie Bayo, quand on a une entreprise avec ma copine comme Angela Papy-Longchamp, les 14, on a d'autres relations. Donc la relation qu'il y a entre Angela Papy-Longchamp, les 14 publics internationaux et moi là, c'est une relation de travail. Donc là où on est là, on est copine de travail. Il est escort boy, je suis escort girl. Ça veut dire que Angela Papy-Longchamp, les 14 internationales, on a une entreprise à gérer. Même si on écarte ensemble, les cartes, c'est la même chose. On est collègues. Toi, tu as vu ou deux collègues qui travaillent le work ensemble ne s'écartent pas. On s'écarte, sauf que l'essentiel est que ça nous guide les dos. L'essentiel est que ça nous guide les dos et notre entreprise fonctionne. Et tu es seulement Ophélie Bayon. Mais je t'ai répondu, mais oui. Mais est-ce que je me... Dans les bordels qui viennent là, que il y a soit certains bordels qui me font rire, vous venez pour m'insulter, vous m'insultez, vous perdez votre... Angela Papy-Longchamp et moi, il est escort boy, je suis escort girl. On a notre entreprise de allô, allô. Lui, c'est moi qui l'amène chez les Watts pour guider le derrière. Donc, il guide le derrière et il prend aussi le derrière des Watts et on nous paye. Donc, là où on est là, lui et moi, c'est bango, bango. Je dis lui parce que vous ne comprenez pas le jargon. Maintenant, je vais parler en jargon des escortes. Ma copine, ma salope, toi et moi, non, c'est bango, bango jusqu'à la gare. Toi-même, tu sais ça. Il faut que l'entreprise marche. L'entreprise doit marcher. Ça doit seulement marcher, ma co. L'entreprise doit marcher. Donc, on va... Ben oui, on va sauf que c'est caté. N'insultez plus la copine. Mais oui, ne l'insultez plus. C'est pas la peine de l'insulter, ouais. Moi, quand vous l'insultez, ça me fait de la peine. Au concret, donnez-lui les cœurs. C'est ma copine de work. Il faut lui donner les... Je vous autorise maintenant que chaque fois que je fais le direct de ma copine et moi, mettez-lui les cœurs. Vous comprenez, non? Parce que si vous ne mettez pas les cœurs, il ne pourra pas travailler et on n'aura pas l'argent. Donc, mes chéris d'amour, chaque fois que je viens ici, je fais le direct de ma copine Angelina Papy-Longchamp, les 14 internationales, pour vous parler de nos affaires de work, de waka. Pardon, mettez-lui les cœurs. Mettez les cœurs pour Angelina. Mettez les cœurs pour Angelina Papy-Longchamp, les 14. Mettez les cœurs. Balancez les cœurs. Mettez les cœurs pour Angelina Papy-Longchamp, les 14. Ma copine du Waka. Ah ben voilà, vous voyez, ma mère danse déjà.
Ah, Angelina, Papy Longchamp, les gâteuses, voilà les cœurs pour toi. Voilà les cœurs pour Angelina, Papy Longchamp, les gâteuses. Voilà les cœurs. Donc voilà. Georges Yomba, bonjour. Donc, je pense que Yombi, je t'ai répondu. Hein. Il faut que vous sachiez que dans une entreprise, il n'y a pas d'ennemi. Quand on a déjà créé une entreprise comme celle-là qui fournit beaucoup d'argent, il n'y a pas d'ennemi. Voilà ma mère qui est là, ma mère Jacqueline qui est à Avignon, qui connaît. Elle nous a déjà rencontrés. Elle a même déjà rencontré ma copine salope Angina Papy Longchamp, les cartels internationales. Donc là où nous sommes là, deux personnes qui travaillent le waka ensemble ne peuvent pas s'écarter. Ils vont sauf que s'écarter parce que c'est ça qui leur donne l'argent. Comment on s'écarte là, c'est comme ça qu'on a aussi l'argent. Vous comprenez, non? Donc ne venez plus dire des conneries, d'accord? Faut plutôt encourager ma copinou Angela Papy Longchamp, les cartes internationales, pour qu'ils ne baissent pas les bras. Parce que s'ils baissent les bras, l'entreprise ne va plus marcher. Et moi, je n'aurai plus les dos. Donc il faut bien que l'entreprise marche. D'accord? Ok. Bon. Ouais. Hein? On est d'accord, non? Mm-hmm. Bon, ma mère Jacqueline, n'oublie pas, hein, le week-end prochain. N'oublie pas, s'il te plaît, maman, le week-end prochain, Angela Papy Longchamp, les 14 internationales, et moi, on sera à Avignon. N'oublie pas, s'il te plaît, réserve-nous l'appartement qui est à la piscine là. Je constate que Papy Longchamp, il ne s'appelle pas Papy Longchamp, il s'appelle Angela Papy Longchamp, les gâteuses internationales. Nomo Martin, ma copine s'appelle Angela Papy Longchamp, les gâteuses internationales. Mais deux personnes qui travaillent ensemble, on a besoin de ça. On a besoin, vous inquiétez pas. Et là où on est là, on n'est pas ennemis, hein. On travaille ensemble, hein. Faut bien qu'on ait de l'argent. Donc, mon matin, c'est ma personne. Donc, n'entre pas dans nos affaires. Ne viens pas entrer dans nos choses. Tu ne connais pas comment ça se passe. Moi, je pose juste la question. Pourquoi il a... Moi, est-ce que moi, je sais? C'est peut-être parce qu'il ne veut... Déjà, même, il n'assume pas qu'il est... Il est homo. Hmm? C'est moi qui viens dire ici. Parce qu'il fallait bien que je dise aux gens pour que les gens ne se trompent plus. Oui. Il fallait bien que je dise aux gens que... ma copine alias Papy Longchamp, les cartes internationales, est homo. Il va avec les femmes et il avait les hommes. Donc il est bisexuel. Hmm? Donc les gens devaient savoir ça. Ce n'est plus tabou, dis donc. Il faut arrêter de faire des jugements sur ça. Il est bisexuel et il travaille pour moi. On a une entreprise. Je t'ai dit que Jacqueline, le travail de ça, l'argent de ça, toi-même tu l'avais vu, non? Le gars là avait tuqué, on avait tuqué le watt, tu te rappelles, non? On avait tuqué le watt d'Avignon, la mer. On avait eu les dos à la mer. On avait eu les dos à Angela Papy Longchamp et moi, là, les carteuses. On t'a même farotté. On t'a farotté, n'est-ce pas, la matière? On t'avait bien farotté. Donc, les gens qui viennent écrire là, vous écrivez les choses, vous entrez dans la vie des gens. C'est notre vie. Oh. Moi, de toute façon, moi, je suis moi grillée. Moi, j'ai un peu pas honte. Lui, il ne doit. Moi, ma copine, il t'a dit d'arrêter d'avoir honte. Tout le monde sait déjà que tu es les carteuses internationales, Angela Longchamp. Donc, n'aie plus honte. Assume. Assume. Assume seulement, Mako. Hmm? Karine Oyono, bonjour. Ma copine, assume seulement. Tu comprends, non? Il ne faut plus avoir honte. Et puis même, tu sais, je vais te dire une chose. Quand on travaille de l'argent, que tu sois escort girl ou escort boy, il ne faut pas avoir honte. Il faut assumer. Et puis être PD bisexuel comme tu es là, Mako, ce n'est pas. Est-ce que ça change? Ça ne change rien dans ta vie. Hein? Pourquoi tu. De toute façon, du moment où tu avais déjà couché avec Simon de Londres, tu devais déjà savoir que ça devait être dehors que Angela Papy Longchamp, les cartes internationales, est bisexuelle. Ça devait sortir. Maintenant, on concrétise seulement que, oh, okay, on va encore faire comment? Tout le monde doit savoir. Hmm? Et moi, je me suis dit qu'au lieu de gaspiller ça comme ça, mieux on commence à vendre ça aux blancs. Parce que quand tu couches avec tes frères camerounais, là, ils ne te donnent rien. Ils te donnent quoi? Les miettes. Il te donne seulement les miens. Alors que quand je te prends les rendez-vous avec les blancs,
Les blancs te payent bien. Les blancs te payent mot, mais tes frères camerounais là, que tu couches avec eux partout là, ils ne te payent pas, ils ne te donnent pas l'argent. C'est pour ça que j'avais décidé que toi et moi, quand on doit créer l'entreprise de Escort Girls, Escort Boys, qui va nous faire qu'on ait l'argent. Et voilà ça, et ça fonctionne. Donc les gens devraient savoir ça. D'accord, mes coucou. Bon, je suis fatiguée, la bouche me fait déjà mal et... Je vous dis à bientôt et bonne soirée à vous. Bisous, bisous. Pour ceux qui mangent, bon appétit. Et Angela Papi Longchamp, mon écarteuse internationale, ma co. On se dit à vendredi. N'oublie pas les accessoires, s'il te plaît. Bisous à toi, ciao. Bisous à vous, ciao. Coco Lago, ma poupée, bisous à toi. Ta coupe, hein. Ta coupe. Jacqueline Guigny Bété, merci ma mère, bisous à toi. N'oublie pas la semaine prochaine, Angela Lécarteuse, Papi Longchamp et moi on sera là-bas. N'oublie pas pour l'appartement avec piscine, s'il te plaît, ma mère.